بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons notre propos en ce qui concerne notre prophète Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui. Dieu dit: وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Donc il leur dit que ce que vous louez et adorez, à part Dieu, ce sont des pures idoles, ce sont des êtres, si on peut dire ça, qui n'ont aucune perception d'eux-mêmes ni des autres, qui n'ont aucune idée de leur existence. Ils sont comment démunis de tout ce qui peut le rendre un peu réceptif à ce que vous faites. Et ne m'attaboudoune min dounillahi awthana wa takhluquna ifkan. Vous avez forgé quelque chose qui est du pur mensonge. C'est quelque chose qui n'a pas le droit d'exister. Il n'a pas de valeur. Wa takhluquna ifkan, c'est purement une vie de l'esprit, un esprit pathologique. Wa takhluquna délirant. Et nous savons à travers l'histoire combien de gens de ce type-là, ils se prennent comme des gens qui ont toujours raison, qui sont sur la bonne voie du bonheur, et que leurs, comment dirais-je, les délices sont pour eux, et uniquement pour eux, et c'est pour toujours, il n'y aura pas de mort, pas de résurrection, pas de jugement, tout ça. Et même s'il y a quelqu'un qui accepte qu'il y aura un jugement, ils disent que Dieu, il l'accepte dans ce cas-là, va nous, comment dirais-je, nous arranger les choses, va nous donner beaucoup de choses, peut-être comme ça ou mieux que ça. Vous voyez que ce sont des gens qui sont hors de l'optimisme logique ou plausible ou réaliste. Et ne m'attaboudouna min dounillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Il insiste sur ça, donc ce que vous prenez comme associé à Dieu. Ils ne peuvent rien vous donner, aucune provision, aucun don, aucune faveur ne peut vous être utile parce qu'ils n'ont pas ça. Ils sont, comme je viens de le dire, ce sont des pures créations de vous-même. Vous avez sculpté ces pierres pour leur donner une physionomie humaine ou autre, animale, ni plus ni moins, ça s'arrête là. Ce n'est pas en la sculptant, en lui donnant certaines formes, certaines dimensions, c'est qu'elle devient, se métamorphose en déesse, en idole. Ce n'est pas vrai. Donc, parce que ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il donne tout. Il crée tout. Il nous donne ce qu'il veut, qu'il soit utile pour nous. Et s'il y a quelque chose qui va nous causer des problèmes, Dieu nous dit, méfiez-vous, ça, ce n'est pas pur. Ça, c'est illicite. Méfiez-vous, si vous allez vous approcher de ça, vous pouvez souffrir encore plus, et vous pouvez être perdant pour toujours dans l'au-delà. Mais cherchez bien et demandez bien auprès de Dieu les vraies provisions, les vrais dons et les vraies faveurs. Donc, adorez-le, remerciez-le, il est toujours par, et aussi, sachez bien que vous allez retourner devant lui pour être jugé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh minhu wa rahmatullahi.